Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lance-Foot, l'univers 100% sang et or. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. On est très heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la semaine. Oui, vous le savez dorénavant, Lance-Foot c'est combien? C'est trois rendez-vous par semaine. Le premier c'est le vendredi à 18h en direct, live et en simultané sur plusieurs plateformes, hein, YouTube bien évidemment, Facebook et Twitter. C'est donc parti, Lance-Foot l'avant-match tous les vendredis à 18h. On va accueillir la Dream Team de ce soir, des consultants sans et or. Il est là, bah, regardez, c'est Sylvain Charret de France Bleu Nord. Salut mon Sylvain. Salut à tous, salut les potos. On va accueillir Héloïse de Mester, bien évidemment, fidèle au poste. Salut Hélo. Bonjour la team. Hélo. Et puis, c'est la recrue de cette année. Messi est chez nous. Lance Foot saison 2, c'est donc la recrue et on est très très content de l'accueillir dans cette grande famille qui est Lance Foot. Inutile de le présenter, c'est une légende sang et or. Regardez, il est là, monsieur Jean-Guy Wallem. Bonjour chef. Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va mon Jean-Guy? Bah, il fait chaud, peut-être plus que chez vous, même si je sais que j'ai eu la maman, elle m'a dit que dans le Nord, c'est un peu mieux, mais nous, c'est vrai qu'il fait 35-36, donc ça cogne. Ah, nous, on est plus dans les 26-27, donc on est pas mal. On est bien dans les conforts. Et tu es où, Jean-Guy, toi ? Je fais juste Saint-Raphaël. Ah ouais. Ouais, oui, forcément. Ça tape, ça cogne. Ah, faut choisir. Ça reste bon, un c'est une dernière fois, par contre, je suis parti à l'étranger, que je suis descendu dans le sud. Donc, première fois qu'il y a un peu plus de soleil où je suis actuellement. Alors tiens, petit message, ça commence. Alors bonjour Jean-Guy, alors là il y en a partout. Hein. Bonjour Jean-Guy également, Anthony. Tiens, il y a RC Lens qui dit, c'est pas Jean-Guy, c'est John Travolta. Ah bon? Plutôt beau gosse. Si je fais danser le twist ou le rock'n'roll, enfin le rock. C'est donc parti, donc les amis, pour cet avant-match avec une affiche et pas n'importe laquelle. Lens Saint-Étienne, quelle affiche! On n'aurait franchement pas pu rêver mieux pour ce retour à Bollaert, donc en Ligue 1, dans un stade qui va être plein à craquer. Deux équipes ayant un passé minier, des valeurs, on peut le dire, communes, bien évidemment, des supporters grandioses des deux côtés. Ça promet une très, très, très belle affiche dimanche à Bollaert. L'historique, avant de vous donner la parole, messieurs, dames, l'historique des rencontres, 112 matchs, 41 victoires lensoises, 25 matchs nuls et 46 défaites. La saison dernière, nos Lensois ont battu Saint-Étienne à l'aller 2-0 et au retour 3-2. Les Verts ont débuté eux aussi donc la saison cette saison par un nul, 1-1 face à Lorient. Autant dire que c'est très très équilibré. Hein. Comment voyez-vous ce match? On va donner la parole à la recrue. Jean-Guy, comment tu vois ce match déjà en quelques mots? Jouer dans les deux clubs, c'est sûr que c'est toujours des matchs très appréciables d'un côté ou de l'autre, soit Geoffroy Guichard ou à Bollaert, et ça va être le cas. Donc, on sait qu'il y aura le public, les deux publics s'apprécient, ce sera un retour forcément pour le public en soi, même si vous l'avez déjà dit, contre Udinese. Donc un match ouvert, un match où il va y avoir du monde, et on en reparlera certainement, je pense que ça peut jouer en faveur ou en défaveur par moment pour les Lensois. Sylvain, ce match? Déjà, oui, Jean-Guy le dit, le contexte, ça fait des mois, perso, ça fait des mois que j'attends ce moment-là, de pouvoir retourner à Bollaert avec les supporters. Alors, Paris, l'année dernière, c'était génial avec seulement 5000 parce que les gars avaient fait du bruit comme jamais. Là, l'Oudinez, c'était vraiment très sympa également. Mais je vous dis, moi, ça fait des mois que je répète à mon entourage, il faut être à Bollaert pour le vrai retour du public. Alors là, je sais pas, on annonce... entre 34 et 37 000 personnes pour l'instant, ça va être du feu. Enfin, ça va être. Et Jean-Guy a raison de dire ça peut te porter comme ça peut t'inhiber. Mais bon, je pense que ça va être un moment magique pour tout le monde. Là. On a hâte de vivre ça. Héloïse. Ouais, même chose. Hein. J'avais fait le match contre l'Udinese il y a quelques jours où il y avait seulement un tiers justement du stade qui était plein. C'était. Bon, je vous dis, j'avais les frissons, hein. J'étais bord de terrain, je faisais les photos. Tu prends une petite claque et tu prends le petit courant d'air là dans la nuque et tu te dis ouais, c'est quand même bien. Donc dimanche, franchement, ouais, c'est,
à d'y être, très clairement. Ouais. Non, mais c'est friterie obligatoire. Moi, j'arrive deux heures avant, c'est friterie obligatoire. Je fais un long apéro, tu sais, à la maison, je ne mange pas. Tu sais, je ne mange pas le midi. Hein. Ouais. Prise de poids. Ouais, ouais, obligatoire. Et ça permet aussi de faire un petit retour sur ce que j'avais dit à mon ami Cyril. Voilà. Personnel. Petit message personnel parce que je vais être papa. Merci mon Jean-Guy. Tu vas à Bollard, c'est incontournable. La friterie avant le match. Ah, bien évidemment. Après, c'est incontournable. Moi, de temps en temps, j'étais suspendu, blessé, ce qui m'arrivait rarement. Et mon ami Dambrine, je vais pas faire de pub parce que ça a changé de nom plusieurs fois. Il me mettait toujours un peu l'américain merguez de côté. Bon, on va tout de suite regarder là plutôt les compos probables. Il y a pas mal de dossiers à discuter avec vous, messieurs, avec le retour déjà donc de Jonathan Grady. Mais on l'a appris tout à l'heure en conférence de presse. Malheureusement, Haïdara est blessé pour ce match face à Saint-Étienne. Donc, messieurs, je vous propose plusieurs compos probables. Regardez, déjà première compo probable. Donc les cas Boura qui reprendrait le poste de la semaine dernière ou Grady en défense. Donc Fofana Doucouré, Machado Klaus, Kakuta bien évidemment et le duo d'attaquants, on y reviendra tout à l'heure, Banza Sotoka. Ça, c'est la première compo. Deuxième compo probable, regarde Jean-Guy, en défense, on propose, pourquoi pas, Wu et Danso, la recrue, Grady. Ensuite, ça ne change pas la ligne de milieu et la ligne d'attaque. Et puis, on a une troisième possibilité, Sylvain, on en parlait tout à l'heure, c'est Medina. Oui, Medina qui pourrait, pourquoi pas, revenir dans la boucle. Il a repris l'entraînement la semaine dernière. Après, il faut savoir qu'il a eu des vacances écourtées parce qu'il a joué en juin et en juillet avec sa sélection, notamment aux Jeux Olympiques. Donc voilà, il n'a pas eu de vraies vacances, une vraie coupure. Je pense qu'il le paiera sûrement un peu plus tard. Mais je pense que c'est un joueur qui peut, pourquoi pas, être opérationnel dimanche. Jean-Guy, tu penches pour quel compo, toi, au niveau de la défense là, Lançoise ? Moi, je vous fais confiance. La semaine dernière, vous étiez très bon. C'est vrai, c'est vrai qu'on avait là. Mais là, on en propose trois. À ton avis, est-ce que tu tenterais le pari d'Anzo ou pas ? Il n'y a que le coach qui le sait dans la préparation. Ouais. Il n'y a que lui qui peut savoir s'il est prêt. Il est rentré, c'est ça, Rennes, à un moment donné. Ouais, il est rentré quelques minutes. Il a failli marquer, d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, au but refusé, c'est ça. Ouais. Et il n'y a que le coach qui sait s'il peut stabiliser la défense ou pas. Est-ce qu'il a l'habitude du jeu ? Mais je suppose que s'ils l'ont recruté, c'est aussi pour ça, dans un système à 3. Ou à 4 derrière, bon, on sait que c'est quelqu'un de massif a priori, donc voilà, il n'y a que le coach qui pourra, lui, et c'est le seul décideur de cette organisation et de la plus-value pour amener ce garçon. Héloïse, il a des solutions. En tout cas, il a des solutions. Pardon. Ouais. Non, t'inquiète. Héloïse, ouais, tout à fait. À ton avis, pour quel compo avec, ouais, j'aime bien avec Boura, j'ai trouvé qu'il avait été vachement. Enfin, il était plein d'assurance contre Rennes. Je l'ai trouvé même beaucoup plus serein que quand il est piston gauche, où justement on lui demande de répéter les efforts vers l'avant. Là, il avait une vraie tâche extrêmement défensive et je trouve qu'il a vraiment bien fait son match. Donc, si jamais il faut renouveler cette défense avec Grady, du coup, pour le coup à droite, je trouve pas ça incohérent. Au contraire, je pense que ça serait bien pour la continuité et puis même pour Boura qui a gagné pas mal de points la semaine dernière à Rennes. Ouais. Une grosse confiance, hein. Moi, je mettrais Grady forcément incontournable parce que pour moi, c'était le meilleur défenseur lensois la saison dernière. Le petit Wu, il est dans la continuité de sa préparation et il ne démérite pas. C'est intéressant ce qu'il démontre sur le terrain. Mais après, axial ou à gauche, à voir. Et après, moi, mon doute, il serait entre Medina et Danso parce que Danso, de ce que disait Francaise, il a réalisé une bonne prépa. Il a une grosse prépa en début de semaine. Il a beaucoup donné. Donc là, il a été un peu ménagé en fin de semaine. Mais je laisserai quand même un petit avantage à Medina pour le retour face au public. Puis le fait qu'il a enchaîné. Mais voilà, on est à 48 heures du match. On n'a pas trop de retour pour l'instant de ce qui se passe en interne. Donc, mais pour moi, je mettrais bien vraiment Wu et Grady, quoi qu'il arrive au départ. Vous avez un point commun tous et toutes, c'est que Fortes sort de la défense, a priori. Ouais. Moi, je le sors de la défense, je pense. Malheureusement.
On a Anthony qui nous écrit un petit message. Grady, Danso, Medina me paraît donc la meilleure sur le papier après avoir le niveau physique de Facundo. Bien évidemment, Tu vas voir que Fortes va débuter dans l'axe et bim, tout le monde sera d'accord. Et Thomas, Thomas nous dit pourquoi. Je pense que, j'ai pas vu tout le match, hein, je vais pas vous mentir. J'ai vu un résumé, forcément, pour avoir un peu d'arguments par rapport à ce dont on va parler. Moi, ce qui m'a dérangé, et j'avais déjà dit un peu l'année dernière, et a priori, vous aviez quelques doutes aussi sur l'aspect défensif de cette équipe, qui, souvent, l'année dernière, avait pris quand même pas mal de buts. Alors, elle a eu l'opportunité et la volonté de marquer aussi quelques buts. Moi, c'est le premier but qui me gêne un peu, parce que, alors, c'est facile à dire, hein, une fois qu'on a vu la musique, hein, mais Fortes, il sait que il doit savoir que son adversaire est droitier, et il ferme pas l'axe, le premier but de Rennes, quoi. C'est ce qui me dérange un peu, et ça n'arrive pas qu'à lui, ça arrive souvent. On doit forcément ouvrir le côté, notamment quand on joue à 3 en plus, dans le dos de Klaus, et le garçon droitier est venu sur sa patte droite. C'est comme si vous laissiez Bourigeaud, bah, qu'il connaissait forcément un peu plus. Moi, j'ai son frère ici, donc il a un peu le même pied. Ouais. Qui a fait cet enroulé et qui a permis à Rennes d'ouvrir le score rapidement. Mais Jean-Guy, comment tu fais concrètement sur le terrain quand tu es à la place de Fortes ? Ça veut dire qu'à un moment, dans ta course de repli, parce qu'il se retrouve vraiment en 1 contre 1, moi je me disais, c'est compliqué de se jeter parce qu'il n'a pas de soutien, non, parce que c'est un long ballon qui vient vite. Il doit mettre ses épaules, tourner vers l'extérieur et amener sur son mauvais pied. Alors, s'il met lunettes opposées du pied gauche, bien joué, monsieur. Voilà, mais là, il l'a mis sur un pied fort. Alors, il y a Zemden et Messi, on sait qu'ils sont gauchers, mais ils le font quand même. Ça ne les empêche pas de marquer, mais bon, voilà. On va s'attarder sur une question qui fait beaucoup parler les supporters. C'est le duo d'attaque. Donc, vous l'avez vu dans les possibles compos d'équipe, on a mis à chaque fois le même duo d'attaque. Nous, on parie, donc on met une pièce. L'équipe de Lens Foot met une pièce sur le duo. On le découvre si vous venez juste d'arriver. Je rappelle qu'on est en direct live pour Lens Foot l'avant-match. Banza et Sotoka. Ah oui. On fait rentrer Sotoka. Qu'est-ce que vous en pensez de ce duo ? C'est-à-dire qu'on met Ganago en modèle super sub ? Non, je pense pas. Ouais. Avec la sortie que Francaise a fait justement en conf de presse où il explique bien qu'il a pris le joueur entre quatre yeux, il lui a expliqué justement voilà ce qu'il attendait. Ils ont fait le point sur les objectifs. J'imagine pas Gana sortir du duo dimanche sur le match de Saint-Étienne, qui avait été justement le match où il s'était pris un tacle assassin et qui avait du coup enchaîné avec une blessure, etc. C'est vraiment le match, je pense, où il peut signer un retour et que c'est là justement qu'il doit montrer aussi que voilà, la fin de saison n'était peut-être pas forcément celle qu'on attendait pour lui. Et je pense que ce match-là, justement, contre Saint-Étienne, c'est le moment de dire voilà, j'ai ça dans les jambes, je peux vous montrer ça et c'est à partir de dimanche que je vais le faire. Mais après, il y a là-dessus, je pense qu'il y a aussi, au-delà de l'aspect technique, il y a le management du joueur. Je suis d'accord avec Héloïse. Parce que si tu l'as briefé, le gars, pendant la semaine, si tu as parlé avec lui, tu ne veux pas l'enterrer, il a le droit d'être mauvais sur un match de reprise. Si tu lui parles et que le dimanche, tu le mets sur le banc, le gars, il te regarde, il dit « Coach, mais je ne comprends pas, en fait. Je trouve que c'est dur. » Et Francaise, il nous a habitués à être toujours très, très fin dans le management de ses joueurs. Donc, moi, je serais sur la position d'Héloïse. J'aurais tendance à remettre Banza avec Ganago. Jean-Guy ? Deux possibilités, encore une fois. Il lui a parlé, forcément. Donc, quand il lui a parlé, s'il lui a parlé toute la semaine en plus, il va le mettre en confiance dans un discours. C'est déjà la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est de le mettre titulaire ou de le mettre sur le banc et de le faire rentrer à un moment donné pour être le joker. Deuxième possibilité, c'est que... Mais est-ce que tu lui dis, Jean-Guy, que tu lui dis aussi, ok, on parle, attends-toi à ce que dimanche, je te mette sur le banc, malgré tout, mais tu gardes ma confiance. S'il le met, il lui aura dit, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que, moi je parle plus sur l'aspect tactique et transition, Sotoka est un mec un peu plus dans le dur, dans l'aspect perte de balle tout de suite, parce que je pense que ça va jouer là-dessus, sur les phases de transition. Et Ganao, il a peut-être cette qualité-là, mais c'est quand même un offensif pur, contrairement à Sotoka. Et à la perte de balle, il va falloir que Lens réagisse, parce que ça peut aller très vite. Si Amouma joue, ce qui n'est pas gagné. Si il Bonga, devrait débuter. Ouais, si Banga joue, lui, ça va vite. Alors, il a une certaine irrégularité. Bon, après, il y a Kazri. On sait qu'à tout moment, il peut faire la différence. Pas forcément sur la vitesse, mais sur une passe décisive.
Donc, le choix de Franck Hez peut être aussi sur la confiance, vous l'avez dit, mais il peut avoir mis le garçon en confiance en lui disant « je vais te faire rentrer à un moment donné, je vais avoir besoin de toi parce que peut-être ça va être fermé, bref, j'en sais rien. » Ou alors il le met dans l'entrée de jeu. Et sur Sotoka, qui est le garçon un petit peu plus, j'aime pas dire ça, besogneux, et qui va faire les contre-efforts assez vite parce qu'à la perte de balle, il va falloir qu'on soit bien dans l'équilibre. On a, tiens, il faut savoir, on a posé la question aux supporters là, sur lensois.com concernant la question du duo d'attaquants. On a demandé donc ce qu'ils en pensaient. Eh bien, c'est le duo Banza-Ganago qui doit être reconduit face à Saint-Étienne. Oui, donc 54,57% et 45% non sur ce fameux duo Banza-Ganago. Donc, bon, ouais, c'est quand même... C'est ouvert. Il y a un match, mais bon, on verra, verra ça quel. Peut être, ça peut être Sotoka Ganago. Hein. C'est ça, ouais. Justement. C'est vrai que ça peut être ça. Les Stéphanois, les amis, vont vouloir mettre, à mon avis, le pied sur le ballon. C'est une des marques de fabrique de leur coach. Hein. Ça sera à nous de continuer à jouer avec un pressing constant. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Guy, de ça? Les Stéphanois, ils vont vouloir s'imposer tout de suite. Les Stéphanois, ils ont joué, parce que j'aime bien parler des matchs précédents, ça permet de travailler sur le futur, et ils ont joué contre Lorient qui joue exactement comme Lens. Donc ils sont, alors c'était à domicile, c'était à Geoffroy Guichard, mais c'était un match aussi fermé, entre guillemets, mais le rapport de force, il va être sur les côtés. Comme souvent dans le système, quand on joue à 3 et avec deux pistons, que sont Klos, c'est Machado qui va jouer à gauche, c'est ça? Ouais. Il y a des chances. Normalement. Ouais. Donc, on sait que ça va être, qu'à nous dire, les fers de lance, ça va passer de ce côté-là. Lorient, c'était un peu ça. Par contre, attention au retour de bâton. Et c'est ce que je disais dans l'équilibre. Le rapport de force sur les côtés, il va être important. Bien sûr, dans l'axe, ils ont vu le match de Kakuta, qui a priori a fait plus de 90% de passes réussies. Et ça aurait pu être beaucoup plus intéressant parce qu'il y a eu des passes décisives qui n'ont pas été conclues. Donc, je pense que Kakuta va fermer Kakuta à un moment donné, c'est obligatoire. Comme peut-être Lens devra fermer Kazri, parce qu'on sait que c'est aussi un garçon qui actuellement est en forme, ça n'a pas toujours été le cas. Mais quand il est en forme, on sait qu'il peut faire mal. Donc, moi, je pense que c'est important qu'il y ait cet équilibre-là, et on reparlera du public, parce que je pense que le public, qui est passionné, on le connaît par cœur, qui n'est pas forcément toujours raisonnable, attention pas. Je n'ai pas parlé d'être inhibé, ou d'avoir cette possibilité de faire mal à l'adversaire et que ça soit encore une fois le deuxième homme, c'est juste de ne pas s'enflammer et de faire attention que les joueurs restent les acteurs prioritaires et qu'ils n'écoutent pas forcément le public, même si c'est difficile, on le sait, et je l'ai connu aussi. Mais c'est vrai qu'il y a du talent dans cette équipe. Hein. Normalement, c'est une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Alors, aux dernières nouvelles, donc il n'y aura pas le petit Abi devant. Donc, normalement, on devrait retrouver Amouma et Kazri. Dans les couloirs, devrait y avoir Bouanga et Awichich. Et je me rappelle de Bouanga. Bouanga, c'est un joueur hyper talentueux qui, quand mentalement, il est en phase avec l'objectif, avec le collectif, il peut faire très, très mal. Je me rappelle sa saison où il avait vraiment explosé au très haut niveau. On va retrouver le petit Neyou qui n'était pas là lors du match précédent avec Camara. C'est la paire de récupérateurs relayeurs, et puis il y aura une défense sans Traoko normalement, donc elle sera peut-être un peu inexpérimentée dans l'axe, mais on devrait retrouver Sow et Mukudi, ou alors le petit Lamy qui jouait, il y a Kolo qui devrait jouer dans le couloir, mais attention après, il y a une pépite, couloir droit, le latéral, l'ancien Dunkerquois, le petit Ivan Masson, il revient d'une blessure au genou. Celui-là, le jour où il va retrouver les cannes dans le couloir, c'est plus qu'une mobilette. Hein. Je viens de vous dire, couloir droit. Force dans les couloirs. Ouais. Alors, si c'est Kolo, ça sera forcément moins actif que Traoko, c'est ça? Que Traoko. Mais Traoko ne sera pas là, il a dû rentrer au Pérou en fait, pour un problème personnel. Sur le côté droit, ça risque d'être plus important. Donc, Klos amène aussi cette force à droite avec Lens. Hein. Mais les rapports de force vont être importants là, parce que je pense qu'il va avoir de la densité au milieu de terrain. Parce que Kazri, il faudra qu'il soit bouclé. À un moment, on sait qu'il ne faut pas lui laisser grand-chose. Et de l'autre côté, Kakuta, qui est un peu, qui est forcément le meneur de jeu, qui dessert les ballons à merveille pour l'instant. Donc, ça va être fermé au milieu, je pense. On a Thomas qui écrit « La clé de la rencontre se jouera au milieu de terrain. La première équipe qui encaisse va avoir du mal à revenir au score. » On a, alors on vous a demandé, hein, vous pouvez répondre bien évidemment. Tiens, on a Anthony qui répond aussi à toi, Sylvain, avec Yvan Masson, super joueur. Je suivais déjà à Dunkerque à l'époque.
Attention, attention avait, à ce joueur. L'année dernière, il avait été appelé en espoir en tout début de saison. Saint-Etienne avait réalisé un très bon début de championnat. Je crois qu'ils avaient enchaîné 2 ou 3 victoires. Et il avait été appelé en espoir. Et je crois qu'il se blesse en espoir au genou. Rupture du ligament. Et ça l'a stoppé en plein vol. Et donc, ouais, vraiment attention à ce petit joueur. Alors après, voilà, il faut toujours du temps pour revenir d'une telle blessure. Mais il va falloir vraiment s'en méfier dans le couloir droit. Est-ce que pour vous, le Racing est favori? Oui. Clairement. Oui. Oui, oui, oui. Jean-Guy. Moi, ce que je vois de Saint-Etienne, c'est que y a une équipe qui n'est pas très expérimentée à part Cazerie. Bon, l'attaque, on va dire, sauf Aouchiche, c'est ça? C'est Amouma mais, aussi. Amouma, Bouanga, quand même, c'est costaud. Non, mais bon, à part l'attaque, c'est-à-dire Bouanga, Cazerie et Amouma. Bon, Aouchiche, il va avoir un nom plus. Camara, capitaine à 22 ans, bon voilà. Derrière, si Colo ne joue pas, c'est encore un peu jeune. L'axe central aussi. Comment ? L'axe central aussi. Oui, Moukoudi a fait une meilleure saison la saison dernière, mais si tu as Passo qui lui était associé, tu auras le petit Nadé qui vient de National. Ouais, et Green qui va y avoir un an de plus, qui est quand même un jeune gardien. Donc c'est assez fragile. Relation un petit peu avec Claude, qui a son exigence, qui a fait une saison dernière un peu... le ménage avec certains anciens qui est revenu parce que ça sentait quand même pas très bon à un moment donné sur à reprendre à Cazerie à Mouma et que les jeunes étaient en difficulté. Il y a des tensions quand même en interne. Donc, Ah, Jean-Guy, Jean-Guy a été bloqué, tu vois. Hop, Jean-Guy est comme ça. Figé. C'est l'effet Claude Puel déjà. on a clairement. Allô. Ah, Jean-Guy, on t'entend, on ne te voit pas, mais on t'entend. Vous m'entendez ? On t'entend, la belle, on t'entend. Hein. La photo est belle. Hein. Ah, Jean-Guy ne nous entend plus. Les amis, il y a peut-être aussi le physique qui peut jouer un rôle. Il y a donc l'entraîneur de Saint-Etienne qui a déclaré, après le match face à Lorient, que sur le plan physique, l'intégralité de l'équipe, de ces joueurs n'étaient pas vraiment tous prêts physiquement. Certains joueurs sont revenus des JO ou encore de la Copa América. Est-ce que, une semaine plus tard, est-ce que ça peut encore avoir des conséquences, à votre avis? Vas-y, Louise. Je me pose la question un petit peu de cette excuse. C'est un peu tous les clubs, toutes les équipes qui ont un peu accusé le coup après cette période-là. Donc, non, je pense surtout que Saint-Etienne a payé son manque de... pas de fraîcheur, parce que pour le coup, ça allait, mais je les ai trouvés, par exemple, pour revenir justement sur la défense, je les ai trouvés parfois naïfs, en fait, dans le positionnement. Quand tu regardes un petit peu le but de Lorient, tu te demandes des fois pourquoi certains mecs sont placés là, alors qu'il y a 2 mètres avec le ballon et le porteur, etc. C'est juste, voilà, des questions de placement, peut-être aussi des repères, parce qu'il y a des joueurs qui forcément reviennent ou alors débarquent aussi dans l'équipe, et là, avec une nouvelle défense, ça peut être encore un peu plus flou, donc ouais, non... l'excuse du physique, je suis pas... Non, ouais. Honnêtement. Ah, je pense que Jean-Guy, je pense qu'on a retrouvé Jean-Guy. T'es là, mon Jean-Guy? Je suis désolé parce que je pense que quand j'ai un appel, ça coupe automatiquement. Et on a... écran noir. On a RC Lens, on a R... Je vous voyais, mais bon. Voilà. On a RC Lens 59, on a RC Lens 59 qui dit « Jean-Guy, le forfait ch'ti marche pas dans le sud ». Ouais, c'est vrai, il a raison. Il a fait une bonne entrée, notre nouveau joueur, mais là, il a un claquage. Disparu. Là. Claquage. Trop de monde au milieu, Trop de monde au milieu, là. Je pense qu'il faut que je me mette sur la ligne normale, parce que là, je suis sur WhatsApp, et WhatsApp, dès qu'on téléphone, ça coupe. On parlait de l'ambiance, on parlait tout à l'heure, Jean-Guy, tu voulais aborder ce sujet sur le public. Attention, on le sait, donc le stade Bollaert va être plein à craquer, l'ambiance va être grandiose dans un Bollaert en ébullition. Est-ce que ça va être un avantage pour le Racing ou pas? Bien évidemment, on a tous envie de dire oui, mais attention que ça ne fasse pas l'effet inverse, Jean-Guy. Enfin, oui, parce que le plaisir de on l'a dit assez, le plaisir de retrouver ce public, le plaisir de jouer à Bollaert dans un stade plein contre Saint-Etienne, où il y aura aussi des Stéphanois. Bon, après, avec le Covid, je ne sais pas si beaucoup de Stéphanois vont monter. Avec le pass sanitaire, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais ça peut transcender. On a eu la réflexion, on avait discuté, Cyril, rappelle-toi, on avait dit, comme à Saint-Etienne, est-ce que le public aurait été une bonne ou une mauvaise chose pour les Lensois s'ils auraient joué
de la même manière, ils se seraient retrouvés comme ça. À Saint-Etienne, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur parce que les jeunes pouvaient être inhibés avec le public stéphanois qui aurait été très exigeant. Le fait de jouer à huis clos, c'est pas top, mais peut-être que ça rend du service à certains clubs. Moi, je me pose la question pour Lens parce qu'on sait que, et on s'était dit aussi, les Lensois sont des gens passionnés. Si on demande à 100 supporters Lensois, il y en a 90 qui vont dire qu'il faut qu'on joue la Coupe d'Europe cette saison. Je suis sûr de ça. Bien sûr, bien sûr. Héloïse ? Ouais, bah, c'est, je me posais la question aussi pour Udinese, même s'il y avait qu'un tiers de, du public, on va dire ça comme ça, et finalement, même les plus jeunes qui auraient pu avoir un bon petit coup de pression au moment de rentrer sur le terrain ont été au final plutôt sereins, je trouve. Et même de les avoir vus, alors bon, ça a duré qu'une demi-heure à l'entraînement, et puis avoir Seco aussi en conf juste après, tu sens les mecs détendus, en fait, qui ont plus hâte de retrouver tout le monde, parce que finalement, ils ne l'ont jamais vécu. Ça reste une équipe qui n'a pas connu ça encore à Bollaert. Donc, ils ont plus l'excitation de voir et puis de jouer avec tout ça, plutôt que se dire, ah, si jamais, bon, on ne pousse pas assez et puis que ça râle derrière. Non, ce n'est pas tellement ça, j'ai l'impression, dans les têtes. C'est plus, on va au charbon et puis on va leur montrer qu'on sait faire aussi. Quoi. Je ne suis pas là-dessus, pas sur le fait qu'ils soient inhibés, sur le fait qu'ils s'enflamment et que le public les pousse à attaquer et qu'il y ait un déséquilibre. C'est ça qui ne m'inquiète pas le fait d'être inhibé. Je pense que les gamins, ils vont être contents de jouer devant du public, mais il n'y a pas de souci. C'est qu'à un moment donné, on est porté. Moi, mon dernier souvenir, malheureusement, entraîneur, on joue contre Lille. On se retrouve à 9, on fait un partout à 9, et puis on est parti comme si on était à 12. Quoi, hein. Et on a perdu le match, forcément, parce que déjà à 9, on pensait qu'on allait gagner à 9. Mais non, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, j'ai hâte de vivre le premier quart d'heure. Parce que, comme le disait Francaise, on espère qu'on aura le même niveau d'intensité que les gens l'auront en tribune. Je pense que le début de match va être complètement dingue. Alors oui, il faudra respecter l'équilibre attaque-défense, t'as raison Jean-Guy, mais je pense qu'ils vont vouloir mettre le feu au début de match. Et si tu pars bien, ça peut être le feu. C'est pour ça que je vous demandais s'il faisait très chaud ou chaud. Parce que ici, moi, je suis allé voir, par exemple, Nice-Reims la semaine dernière, un dimanche à 15h. Alors bon, mais il s'est rien passé, entre guillemets, parce que c'était pas un bon match, mais trop bien organisé et tout. Donc si la chaleur va être aussi un phénomène important dans le rythme, dans la récupération, dans les phases de temps fort ou de temps faible, et ça peut jouer aussi. Ça devrait aller chez nous, je pense, dimanche. Ça devrait aller. Ouais. Ce sera supportable. Ouais, ce sera supportable. On avait, il y a Joss qui fait Seco transcendé par le public, il va faire des sprints de 80 mètres à la 93e il les faisait minute. Déjà. C'est clair. Votre pronostic, les copains, pour ce match. Donc, on a été pas mal la semaine dernière. Hein. On était pas mal. Ouais. On était pas mal du tout. Il y avait du match nul dans mon souvenir. Ouais. Il me semble. Dit-il. Ouais. Jean-Guy, pronostic. Moi, je suis mauvais, hein, je peux vous dire. Vas-y, vas-y. Faut y aller, coach. 2-2. Oh, d'accord. Ok. Héloïse. 2-0. 2-0 pour Héloïse. Sylvain. Lens aime le déséquilibre. Lens prend des buts. 3-1 pour Lens. Oh là là. Imagine. Imagine Saint-Etienne. Saint-Etienne ouvre le score. 1-0. Ah oui. Et après, 1-1, 2-1, et tu marques un troisième but à la 90e, 91e, où tu marques les deux derniers buts, tu sais, dans les cinq dernières minutes, mais non, laisse vas-y, tomber le stade. Plie à la mi-temps, c'est bon, ça va, arrête. Plie à la mi-temps, ça va. Tiens, on va aller faire un petit tour du côté des supporters. Qu'est-ce qu'ils pensent? Eux, ils pronostiquent quoi? Anthony, il fait 2-1 pour Lens, but de Banza et Ganago. Ça va être un match serré pour Schick. On a du 4-0. Tiens, alors lui, il s'enflamme. Flo Chicharito. Alors là, je paye tout de suite pour 4-0. On a Maxime, 2-0, avec encore un but de Seco. On a du match nul, ça c'est Julien. Lens Saint-Etienne 1-1. On a du 2-2, ça c'est Johan. On a du 2-0. On a du 2-1. Ça y va. Ouais, ça va. Bon. On a de tout. Ouais. On va regarder tout ça, bien évidemment, avec beaucoup d'attention pour ce match ce week-end. Merci Jean-Guy pour ta première. Bravo. Pas mal, hein. Excusez-moi pour la coupure de courant. Mais... Ça sera mieux la prochaine fois, on payera le courant, t'inquiète pas. Voilà, payez facture. Bon début avec Fréjus, hein, mon Jean-Guy. Ouais, on joue demain parce qu'on n'a pas joué la première journée contre Aubagne, parce qu'ici, bah, le Covid est beaucoup plus actif que dans d'autres régions. Ouais. Donc, il y a eu 3 matchs de remis, même si la fédération, je pense, aurait dû penser à réglementer ça un peu, notamment dans le sud, parce que tous les autres groupes ont joué.
Donc on attaque la deuxième journée, donc notre premier match à domicile contre Jura Sud demain à 18h, 35 degrés, ça va coucher. Voilà. Après, bon, t'enchaînes avec un et après t'enchaînes avec un petit apéro. Après, tu fais un petit American apéro merguez. Tranquille. Ah, on t'envoie un américain merguez. Hein, il arrivera lundi. Hein. Ouais, faut ouvrir le bar à café ici parce que les frites. Merci Jean-Guy pour ta première. On te retrouve très très vite, bien évidemment, bon dans Lance Foot, l'avant match. Bonne soirée, bon match. On va regarder ce match. Merci, mon Sylvain. Merci Héloïse. Bon week-end à vous. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, lundi. Made in Gaillette avec Héloïse qui sera encore sera encore en action. Ouais, de service, tout à fait. Merci de m'aider. Et puis Sylvain qui sera aussi de service, donc lundi pour le débrief. Passez un bon week-end, les amis. Merci, ouais, merci, ouais. Mon Jean-Guy. Merci à tous les supporters d'avoir été présents. Continuez à nous suivre. Le replay sera disponible, bien évidemment, sur lensois.com et sur toutes les plateformes de streaming. Passez une très belle journée, une très belle soirée, un bon week-end et allez Lens, bien évidemment. Ciao. Salut tout le monde. Salut.